Delfadel. Gros débat qui fait rage. Devrait-on avoir des toilettes mixtes dans nos écoles? Ouais, vous avez bien entendu. C'est le débat qui nous mobilise tous maintenant, qui mobilise la classe politique. Et on a l'impression de revenir dans le fameux débat sur les accommodements raisonnables. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette hystérie collective que nous avons eue. Ben, on revient à ça. On dit que les modes finissent par revenir. C'est le retour de cette mode-là. Mais là, dans ce débat sur les toilettes mixtes, on est-tu vraiment rendu à supprimer les toilettes hommes-femmes? Pas juste pour les adultes majeurs et vaccinés, là, pour des enfants. Allô, je vous entends. Honnêtement, là, heureusement que le ministre Drainville a mis son pied à terre puis qu'il a dit, il n'en est pas question d'enlever les toilettes hommes-femmes, là, puis on va en garder, puis on va avoir des toilettes individuelles, non-genrées, pour toutes les personnes qui veulent aller dans une toilette individuelle non-genrée. Mais je suis tellement découragée. Alors, passez-moi, que notre Audrey. Ministre de l'Éducation, là, et à décider de ça, ben là, doit gérer. C'est rendu que le ministre de l'Éducation doit gérer les toilettes des écoles. Pour vrai, là. Notre ministre de l'Éducation, il y a des plafonds qui tombent sur des enfants. Sur on manque de profs. Les élèves ont des difficultés en français, en orthographe. On a des profs non qualifiés qui sont dans des classes aujourd'hui. On a une gouvernance qui fonctionne so-so, là, ça dépend. Puis là, on a un ministre qui doit se pencher sur une question comme celle du pictogramme que l'on met sur les toilettes des écoles. OK, donc à 10, je vous appelle. On a tout terminé ça, là. Nous, on a tout réglé les problèmes d'éducation. Les toilettes, c'est notre priorité. C'est quoi la prochaine décision qu'on va pelleter sur le bureau du ministre? Je veux juste savoir, là, comme, qu'on m'avertisse avant que je fasse une autre montée de lait. C'est-tu le son de la cloche? On n'aime pas le son de cette cloche-là? Est pas assez inclusive? Si-tu la tenue dans les cours d'éducation physique? Peux-tu avoir une jupe ou un short ou... C'est quoi les couleurs qu'on aura le droit d'utiliser en art plastique? Je le sais pas, là. C'est quoi l'autre question, là, qu'on va devoir pelleter sur le bureau du ministre de l'Éducation parce que ça devient une priorité nationale pour nous tous, là? Les toilettes, là, les toilettes des écoles, c'est la priorité. Qu'est-ce qui se passe dans la classe? On s'en fout! Les toilettes, c'est ce qui comporte notre priorité puis notre combat national. Honnêtement, là, c'est n'importe quoi. J'ai de la misère, là, à imaginer, là, puis je vais parler du fond maintenant. Moi, je suis contente de la décision du ministre parce que j'ai de la misère à imaginer mes filles, puis j'ai des filles qui vont à l'école primaire publique québécoise, avoir la maturité de pouvoir cohabiter avec des petits garçons aux toilettes. Là où tu fais des affaires intimes, tu sais. Puis, je parle de mes propres enfants. Je sais pas si les autres enfants non plus ont la maturité de pouvoir faire ça. C'est déjà difficile pour des adultes, imaginer des enfants. Puis, la chose qui me frappe le plus, là, puis à laquelle je pense le plus dans ce débat-là, c'est imaginer une petite fille qui a ses menstruations pour la première fois à l'école. Hey, c'est déjà troublant pour une petite fille de devoir gérer ça. Imaginez qu'elle doit gérer ça aux toilettes à côté d'un petit gars devant l'urinoir. Pour vrai, là, c'est ça l'inclusivité, c'est ça la sensibilité, c'est ça la diversité, c'est ça accepter tout le monde tel qu'il est. Pour vrai! Ça n'a aucun bon sens. Aucun bon sens. Moi, j'aime le fait qu'on ait des toilettes individuelles, non-genrées, pour les personnes qui veulent pas avoir à choisir ou qui sont plus confortables d'aller dans une toilette individuelle. Que ce soit des filles, des gars, des non-binaires, des trans, name it, là, des handicapés, des pas handicapés, une toilette individuelle pour toutes ses réponses ou aucune de ses réponses dans le sondage, tu sais. Puis au nom de la diversité, puis au nom de l'inclusion, là, il faut arrêter de déshabiller Paul, là, pour habiller Jacques. Puis il faut pas rendre les petites filles et les petits gars inconfortables parce qu'une minorité a besoin de se sentir plus confortable. Puis il ne s'agit pas ici d'écraser une minorité pour la tyrannie de la majorité. Il s'agit ici de trouver des solutions, comme celle des toilettes individuelles non genrées, et de nous sacrer patience avec ce débat-là.